Alors bonjour à tous, bienvenue pour ce tout nouvel épisode sur City Skyline. Alors on s'amuse à faire des zoos, on s'amuse à faire de nouveaux quartiers résidentiels, mais on ne se concentre pas sur le principal. La zone industrielle ici, il y a beaucoup beaucoup de trafic. Alors on va devoir régler ça pour que ça aille dans l'autre sens, parce que vous voyez, en fait, ça rentre d'un côté mais ça sort de par là. Donc il faut que la route soit dans cette direction-là. Donc on va transformer un peu notre route pour faire que l'entrée arrive ici et la sortie arrive par là. Alors, hop, on va faire avec des petits arbres, ce sera plus joli. Donc on va faire comme ça et lui on va faire bouffe, tu vas descendre rapidement. Bisous. Je vais rejoindre ici. Voilà, alors on va du coup transformer tout ça. On va voir aussi comment est-ce qu'on va faire. Donc lui, il doit venir ici. Faire comme ça. Ouais, en fait, on est fort bas par rapport à la route. Ah oui, mais il descend déjà, en fait, c'est pour ça. Voilà. Pouf. Ils vont devoir aller dans ce sens-là. Alors on va remettre l'électricité peut-être, parce que ça va pas être cool sinon. Voilà. Oui, parce qu'il y a tout ça du coup qui manque, l'électricité. Voilà, ça va être beaucoup plus fluide, j'espère. Qu'ils arrivent ici, pouf, ils vont faire tout ça, tout ça. Voilà, je crois que ce sera quand même mieux. Oui, ils rentrent encore dans l'usine, mais c'est parce qu'ils étaient encore sur la route, je crois, de l'autre fois. Exportation. Je crois que cet épisode-ci, on va agrandir notre champ. Alors, qui ne fait pas de lumière, c'est normal, hein, il vaut mieux. On va prendre les petites routes comme ceci. Et alors, on était à combien en prix? 540. Donc, il faudrait qu'on aille jusque... Ah, parfait. Je voyais rien. On va faire exactement la même chose. 540. Voilà. Voilà. Alors c'était un... D'accord. Donc je disais, c'était un... Et les grands pâturages, on pourrait en faire. Ah oui, non, les grands pâturages sont là. Champ de culture moyen, grand champ de culture, c'était...
Ça, c'est des moyens. Moi, je veux bien des grands, hein. Ça me va, hein. Les grands, ils vont parfaitement dedans, en fait. Ah ouais! Ils sont cool, en plus. Ah, j'avoue, ils sont vraiment cool. Alors, ça, comme ça... Ah ouais, du coup, en fait, il dépasse un peu, par contre. Ah ouais, là, pas. Et si je fais comme ça, là, ça va. Là. Alors, je vais faire dans ce sens-ci de nouveau pour pas qu'il y ait trop sur un. Voilà, alors là on va faire un bon gros champ de... Ah ouais, c'est vraiment sympa quand même. Et là, attendez, si on refait corne... Ah ouais, ça donne vraiment bien. Ok, donc celui-là, ça allait pas. Hein. Ça déconne, ça sort, non. Rapside. Rapside, c'est pas mal. Hein. On a que comme ça. Hein. Ouais. Bof alors. Ah non. On a comme ça aussi. Coton, c'est comme ça. Ok. Voilà. On a ici nos nouveaux champs. Ah, franchement, ça donne trop bien. Du coup, on va peut-être avoir plus, beaucoup plus en fait. On va avoir presque le double de ce qu'on crée déjà maintenant. On va voir comment ça va se passer. Je vais me faire voir si on peut pas améliorer, enfin faire plus de choses ici. Donc ça, c'est les grands silos, non? On va voir un peu tout ce qui est usine unique qu'on pourrait faire. Une usine de meubles, non? Ah, une usine de meubles, on pourrait peut-être... Mais ça, c'est avec tout ce qui est bois. On va pas encore faire tout ce qui est bois. On va vraiment essayer de faire que tout ce qui est avec de la viande. C'est assez chaud, hein, je crois. Non. Farine, papier, plastique. Ouais. Non, je crois que ça va être assez chaud quand même. Alors, c'était quoi ça? À base d'acier. Ça, c'est tout ce qui est les machines, hein, donc je crois que ça va pas aller. Pâtisserie, ça peut le faire, je crois. Ouais. On peut faire des pâtisseries. On va les faire ici, hein. Voilà. Alors, pâtisserie faite. Une usine de meubles. On pourrait faire bientôt une usine de meubles. Mais j'aimerais d'abord voir... Ici, cette zone, on va devoir la refaire parce qu'elle est moche. Ça ne va pas. Oui, ici, j'avais fait un beau rond-point et tout. Ici, c'est le bordel. Je crois, est-ce qu'on a... Ouais, on a encore le temps. On va déjà voir ici, est-ce que ça va mieux ou pas. On dirait que oui. C'est lent, mais ça ne se bloque plus. Donc, c'est que c'est positif. Et ils sont remplis à 45%. Regardez le monde qui arrive. Ah ouais, c'est quand même beaucoup, hein. J'espère que c'est pas trop. Je veux d'abord juste voir notre fusée pour être sûr. Elle est bientôt prête. Elle est bientôt prête. Alors, on va voir ici notre petit truc ici. Ouais, c'est le bord. De toute façon, regardez, on a trois personnes qui passent ici.
un peu les deux tombent. Je crois que je vais tout supprimer et on va tout recommencer. Je crois que ça a été plus intéressant à faire, malheureusement. Je vais voir parce que. Voilà. Est-ce qu'on va supprimer? Ah ouais, ici ils sont bien remplis. Hein. Ouais. On va peut-être garder tout ce qui est entrepôt, qui sont quand même plutôt sympathiques. On va faire une route ici. Et on va les déplacer là. Évidemment, la zone doit être agrandie. Tac, tac, tac. Voilà. Hop, on déplace. Alors, c'est mis sur pause pour le moment, du coup. Pompier, on va supprimer. On va même supprimer toute la route. Donc, si on veut recommencer, c'est vraiment à 100%. Désolé du bruit, ça va vraiment pas être agréable. Ok. Déjà, on va faire, je crois, comme j'ai fait avec l'autre. On va faire un rond-point. Qui lui va nous amener à différents endroits. Et on va faire des zones qui seront carrées, je crois. C'est pas encore. On va voir. On va. C'est pas encore. C'est quoi ça? Une scierie. Hop. Parfait. Alors, on va voir combien il y en avait 5. Waouh! Alors, on va faire un petit rond-point, je crois, un grand ne sera pas utile. Ça, ah oui, ça c'est un petit. Ça c'est un grand. Bon, allez, on va faire le grand. Et on va le mettre assez loin de la zone. Plus loin possible en fait. Voilà. Bon, il est plus très rond, hein. Il est assez bizarre. Alors, on va du coup faire. Comme ça. Voilà. Alors ici, il y aura, je crois, tout ce qui sera. Ah ouais. J'aurais peut-être dû le mettre au milieu, non? Mais ici, ça allait parfaitement, c'est pour ça. Là, ça va être plus compliqué. Les zones, comment est-ce qu'elles sont les zones? On va d'abord commencer par ça. On va essayer de prendre. Ah, on n'est pas arrivé au niveau 5. Hein. On est au niveau 4, mais pas 5. Ah. Alors, avec des rangées de jeunes arbres, d'accord. Et ça, c'est plantation d'arbres moyens. Et. Pollution, le travail 23, 20, là serait 25. Le produit forestier brut, l'extracteur doit être placé sur une zone forestière au centre d'une zone industrielle. Une grande plantation d'arbres peut être utilisée pour faire pousser des zones, nanana, et là, il génère des produits forestiers, doit être placé sur une zone industrielle. Donc 9 600 par semaine, et là, pour le plus grand, ce sera. 8 000. Donc ce sera plus intéressant de faire ça. Et celui-là fera sûrement deux fois celui-là. Ou celui-là faisait deux fois. Ouais. Ok, donc on va essayer de prévoir ce genre de choses-là. On va faire déjà une route qui sera de toute manière boisée. Et on va faire des petits trucs.
improvisons comme ça, on va voir ce que ça donne. On peut pas faire jusqu'au bout malheureusement. C'est normal, ça tourne en même temps. Maintenant, on peut faire vraiment comme ça. On va essayer de faire les intérieurs. Alors, je vais essayer de faire à chaque fois deux et puis hop, un trou. Voilà. Un. Deux. Et une petite route. Un. Après, évidemment. On va déjà voir comment est-ce qu'on va faire ici. Je crois que je vais faire une route qui va vraiment juste passer ici. Je vais déjà finir d'abord celui-là. Hein. Hop. Tac, tac. Et une route qui passe entre. Je vais grandir juste ici pour que on ne soit pas embêté. Voilà. Non, non, non. Ah là là. Voilà. Est-ce que je peux maintenant, s'il vous plaît? Merci. Voilà, on a ça. Je crois qu'on va continuer assez loin, loin, tout ça. On va encore en faire au moins un. Peut-être deux. On est quand même là pour ça en soi, hein. On est vraiment là pour le bois. Ce sera sympa. Un, deux, encore, hop. Et voilà, on va mettre les deux derniers, je crois. Un. Faire que la route ici du coup se coupe vraiment juste bien juste là quoi. Est-ce qu'on peut faire que apparemment c'est pas possible. Bon ben c'est pas grave, on va faire le plus proche alors qu'on peut faire. Voilà. Pas trop grave. Ok, donc ça c'est bon. Voilà, on a notre zone ici. Maintenant on va devoir faire que notre Siri et tout ça puisse se connecter. Donc on va faire que on puisse faire quelque chose comme ça. Et par ici. Alors je sais pas si je vais mettre une grande route ou
pas. Je sais pas encore. Je vais mettre une route normale, je crois, pour le moment. Peut-être comme ça. Je sais pas. On va tester. On va déjà déplacer. Du coup, on va redéplacer ici. Notre usine. On va la mettre donc, ici. Je crois que je vais quand même faire d'abord une grande. Une double. Voilà. On va pas encore connecter ici. Voilà. Hop. Alors, notre bâtiment de foresterie principale. Nous allons le mettre ici. Voilà. Alors, la petite cour à bois. Alors, je crois qu'on va en fait plutôt mettre ça. Ah, ça passe juste pas. Est-ce que je peux accrocher vite fait? Ici. Voilà. On va refaire. En fait, il faudrait que... on est... peut-être ici, tout ce qui sera silo. Bah, je crois qu'on va faire comme ça, attends. On enlève ici, comme ça. Et on va faire passer ça. Ah, ça passe juste pas, zut. Bah, je vais agrandir ça. Que je crois que je vais faire, je vais arrêter l'épisode ici parce que ça risque de durer peut-être quelques minutes encore. Donc je crois que je vais continuer juste après cet épisode et vous verrez la fin au prochain épisode du coup. Je crois que ça va être plus simple. Donc voilà, je vais arrêter cet épisode ici, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao!